j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un petit unboxing de calendrier de l'Avent. Oui, comme l'année dernière, j'ai craqué sur le site Beauté Privée. Je vous mets le lien évidemment dans la barre d'infos et mon code ici de parrainage. Oui, parce que maintenant c'est plus via le mail, etc. Il y a un code de parrainage à rentrer et je crois que vous gagnez 10€ sur votre première commande à partir de 30€ d'achat, donc ça vaut grave le coup. Ce calendrier de l'Avent, je crois qu'il coûte 39,90€. C'est celui de chez Nivea. Et je suis trop contente parce que l'année dernière, j'étais assez sceptique de l'ouvrir. Et puis, vous avez découvert avec moi dans l'ouverture du calendrier de l'Avent que bah, il y avait quand même des petites choses qui me plaisaient bien, des petites pépites comme ça qui étaient pas mal. Bon, il y a des trucs, il y a beaucoup de choses que je vous ai fait gagner sur Instagram, etc. Donc, n'hésitez pas à me retrouver ici sur Instagram. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, il y aura sûrement un concours avec un petit mot bonus que vous pourrez glisser dans le commentaire. Parce qu'il y a sûrement des produits que je vais pas utiliser. J'en donne parfois à mes copines ou à ma maman. Et puis j'en garde aussi pour vous, évidemment. Sur Beauté Privée, donc j'ai craqué pour ce calendrier de l'Avent. J'ai pris quand même le baume noix de coco comme ça. Parce que l'année dernière, je l'ai eu justement dans une des cases du calendrier de l'Avent. Et j'ai complètement adoré. C'est le noix de coco et huile de monoeil, crème huile, soufflé perlé. Il y a des petites perles à l'intérieur. Je vous dis pas l'odeur. Et alors, une texture à tomber, vraiment, pendant l'été, c'était juste une merveille. Donc voilà, je l'ai racheté et j'ai racheté, il n'était pas très très cher sur Beauté Privée. Sur Beauté Privée, aussi en calendrier de l'Avent, il y a vraiment quelques petits calendriers sympas. J'ai reçu un calendrier aussi dedans, Dove. Cette fois-ci, c'est un Dove, mais 12 cases. Donc je vous l'ouvrirai dans une autre vidéo, mais je vous laisse rester connecté sur ma chaîne. Et puis parce que ça ne suffisait pas, deux calendriers de l'Avent, j'ai pris un calendrier de l'Avent, oui, sous ce format-là, tout petit, de chez Clippers, qui sont des thés et infusions de bonne qualité, je crois que c'est bio, etc. J'aime beaucoup cette marque. Et là, donc, il y a 24 petits thés et infusions à découvrir. Donc, moi, j'adore ça, je vais les garder pour Noël. Je vous ferai peut-être découvrir ça sur Insta. Mais ouais, voilà, vous ouvrez, c'est trop mignon en plus le package et tout. Et là, vous ouvrez, puis après, vous pouvez tirer vos petits thés au fur et à mesure. Je trouve ça trop trop sympa. Ça valait rien, ça. Ça, c'est un petit cadeau à faire qui est très sympa avant Noël. Ça valait genre 3,50€, un truc vraiment rien du tout. Il y avait plein de thés différents, plein de calendriers de thés différents sur le site. Bon allez, bref, on passe tout de suite à l'ouverture. Donc là, je ne me spoil pas, mais vous avez la petite présentation. Je le trouve plutôt beau, hein, il est de ce côté-là. Et puis, évidemment, il y a de l'autre côté aussi la petite maisonnette. Et puis après, c'est à moi de chercher toutes les cases. En revanche, pour voir les numéros, c'est tout un truc. Je vais galérer, je pense, dans cette vidéo. Ah, le numéro 1, ça va, et c'est la première porte. Ils ont été sympas. Waouh. Ah, mais attendez. Ah ouais, d'accord, ok. Non, non, je croyais qu'il y avait une boîte par-dessus, mais non, non. Le numéro 1, donc, grande boîte, et il s'agit d'une crème de jour, déjà, ça commence bien. Une grande crème de jour à la base de vitamine E, hydratation 24 heures, peau normale. Donc, ma foi, très très bien, ça pourra servir pour moi ou pour mon mari, à voir. Hein. Et donc, c'est vitamine E, extrait de lotus, hydratation intense de chez Nivea. Donc très sympa, ça c'est un premier beau cadeau. Alors c'est trop bizarre parce qu'en fait il y a le calendrier et en fait il y a un double carton. Je vais essayer de vous montrer. Regardez dans le numéro 2, quand on ouvre la porte, schlac, schlac, vous voyez ça fait double carton. C'est très étrange, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais c'est très étrange. Et à l'intérieur on a quoi? Oh c'est des petits, oh c'est trop mignon. C'est des petits, je sais pas comment ça s'appelle. Ah j'adore, je trouve ça trop sympa quoi. Ça c'est une bonne idée, pareil l'année dernière il n'y en avait pas. C'est des petits trucs que vous mettez comme ça au frigo et après vous mettez ici en petite forme de cœur pour bah, ou même sur vos yeux hein, tout simplement pour bah, rafraîchir votre œil, décongestionner. C'est super, ils sont tout mignons. Et d'ailleurs vous savez quoi, j'en avais pas. Beauty Addict, la fille elle a pas ça. Non non, donc trop trop sympa. Des petits pads pour les yeux, je sais pas comment on appelle ça, mais voilà, des petits trucs pour les yeux, pour dégonfler les yeux. C'est trop une bonne idée ça en numéro 2, j'aime bien l'idée. Le 3 c'est une grande grande case, donc avec deux portes encore une fois, et à l'intérieur on a un petit labello. Ça c'est cool aussi, 24 heures d'hydratation, ça a l'air d'être entre guillemets sans odeur, un truc basique. Soin des lèvres, ça sert toujours hein, d'en avoir, moi je m'en sers, ma fille elle s'en sert, mon fils veut aussi en avoir. Donc ça servira à la maison, surtout dans la période hivernale, c'est très très bien. Et en plus celui-ci, d'après ce que je vois, il a un FPS de 15. Donc si vous partez au sport d'hiver, ça peut être pas mal. Peut-être que je l'emmènerai en classe de neige. Le numéro 3, c'est fait. Le numéro 4, c'est une grande case. Et c'est pas mal qu'ils ont tout laissé d'un côté. Ah ouais, c'est une grande case. Et dedans, c'est une pierre ponce. Si je me trompe pas, peeling
Sandstone, ouais, ça m'a l'air d'être ça. Et bah écoutez, ma foi, ils ont mis pas que des produits de beauté, et en plus ils ont mis des gros formats, je trouve. Donc c'est une grosse paire ponce pour frotter vos pieds avec et avoir des pieds tout doux. Ça je valide, en plus je crois que j'en ai plus, j'en ai pas à la maison, donc très très bien, moi ça me plaît bien. J'aime bien quand ça mélange un petit peu de tout, qu'il y a des accessoires, mais des bons accessoires, hein, pas la mini Lily Mound, parce qu'on en a toujours une. Donc peut-être qu'on en aura une ici, hein, mais là au moins ça mélange, il y a des gros accessoires sympas pour le corps. La numéro 5 c'est... Oh trop... Mais hé hey, trop bien, un petit headband comme ça, coloré, fleuri. Ça peut être pas mal pour mettre en déco sur sa tête, hein. Moi j'aime bien aussi tout ce qui est accessoire comme ça. Ou pour le mettre le soir avant de dormir et mettre ses soins. C'est très très bien, il est très beau avec cet effet croisé là ici. Moi j'aime bien, c'est pas mon style pour sortir, mais pour le soir avant de dormir, pour mettre mes soins, ça sera utilisé, ou avec ma fille aussi ça peut être utilisé, j'aime bien. Ça je valide encore une fois cet accessoire. Numéro 6, il s'agit d'une grande porte et on a un grand produit, enfin un produit assez gros quand même. C'est une eau micellaire, démaquiller votre visage avec un coton imbibé, micellaire skin breathe, donc eau de oxygénation. Moi j'utilise peu d'eau micellaire ou jamais d'eau micellaire, donc celle-ci je pense que je vous la garderai pour vous, mais je vais quand même là juste sentir, voir si ça sent quelque chose. Non, ça sent absolument rien. Donc ça, oui, je pense que je vous la garderai pour vous. Et c'est pour démaquiller tout en un, yeux, visage, lèvres, etc. Sans rinçage et pour les peaux sensibles. Le numéro 7 est un accessoire. Non, mais sérieux, ils ont mis un accessoire pour faire des sablés de Noël. Moi, j'adore. Écoutez, alors peut-être que vous allez trouver ça complètement nul. Mais moi, je valide. Et ça servirait avec mes enfants. En plus, c'est une petite feuille comme ça, là. J'aime bien. Je trouve ça cool. En plus, il a l'air quali, hein. Il a l'air quali. Bord tranchant, attention, en porte-pièce, donc très très bien. Moi je trouve ça trop cool. Pour l'instant, je suis assez conquise des produits, vraiment, je suis assez épatée. Que des bons produits, des gros formats, pas mal du tout. Et là encore, le numéro 7, on a un gros, le numéro 8, pardon, on a un gros format. Et c'est une crème pour les mains comme ça, et ça c'est cool. À base de karité, je pense, hydratation intense. Ah non, à base d'huile d'amande douce, pardonnez-moi. Et alors ça, je suis obligée de tester. Et de toute façon ça servira à mon mari, je pense, si l'odeur n'est pas trop forte, parce que lui il met beaucoup plus de crème pour les mains que moi. Ah bah ça sent, comment vous dire, la Nivea classique. Que de souvenirs d'enfance, non? Alors je sais que la compo n'est peut-être pas au top, même si je pense que la marque s'améliore de plus en plus, hein, mais cette odeur vous rappelle tous, je pense, votre enfance. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est pareil. Et à me mettre, tiens, le petit mot bonus enfant, si vous voulez gagner un petit lot avec des produits de chez Nivea. Ah, l'odeur est à tomber, je pense que ça me plaira, et ça plaira aussi à chérie, donc c'est très très bien cette petite crème, enfin cette grosse crème, parce que c'est un gros format, 75 ml. Le numéro 9 est la petite crème comme ça, soft hydratation, crème de soin hydratante, sensation... sensation quoi, sensation fraîcheur, pardonnez-moi. Donc celle-ci je vais pas l'ouvrir, je crois que l'année dernière elle y était aussi dans le calendrier de l'Avent. C'est un format qui est quand même plutôt pas mal, hein, pour tester, pour emmener partout avec nous. Je sais pas combien il y a, c'est un 50 ml. Ça je pense que je vous le mettrai aussi dans le concours, donc vous voyez il y a pas mal de choses pour vous, hein. Le 10 c'est un grand format et c'est trop cool, je valide. Ce sont des lingettes démaquillantes. Moi j'adore en avoir sous la main, que ce soit pour me nettoyer mes mains, nettoyer mes swatchs. J'aime bien en avoir. Je me démaquille pas avec en revanche, mais je démaquille les zones où il y a du maquillage. Et ma fille aussi, quand elle fait du maquillage, elle démaquille avec ça. Donc lingette démaquillante, 100% fibre végétale, visage et yeux. Efficace même sur le maquillage waterproof. Bah écoutez, ça sera à tester, hein. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais ça peut être pas mal du tout ça. Moi je valide. Le 11 est une grande case et on a à l'intérieur un déodorant. C'est ça? Ouais, je pense. Anti-odeur 48 heures et protège de la transpiration, le Magnesium Dry. Je connais pas en plus, ça a l'air d'être une nouveauté ça. Ça me plaît pas. C'est marrant, le packaging va la tête en bas en fait. Ça, je testerai s'il n'y a pas d'alu. L'odeur elle est top top top, un peu de propre là. 0% d'aluminium, 0% d'alcool. Donc oui, 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 je testerai. Je suis trop contente. Vraiment là pour l'instant je suis conquise par ce calendrier. Le numéro 12, donc la dernière case de ce côté là. Et vous allez constater qu'il n'est pas en 50 000 morceaux. L'année dernière je me souviens que j'avais galéré à ouvrir les cases. Là il est beaucoup mieux organisé, beaucoup mieux le packaging. Plus pratique à ouvrir au quotidien. Et le numéro 12, on a... un petit pochon comme ça avec écrit Design with Care. Donc ça a l'air d'être un petit cadeau. Ah,
C'est des petits élastiques comme ça. Alors moi je trouve ça trop bien parce qu'on en utilise énormément avec ma fille. Sur les cheveux bouclés ou même sur les cheveux lisses, c'est hyper bien pour éviter de casser le cheveu. Et sur les cheveux bouclés, c'est hyper bien aussi pour juste attacher sans abîmer la boucle. Donc moi je valide ça, je suis très contente. C'est un accessoire qui est très bien. En plus, en avoir deux, c'est très bien aussi parce que un, ça fait un peu radin. Donc la première partie du calendrier est finie, là, les 12 premières cases. Et vous voyez, c'est très propre. Je n'ai pas déchiré de cases. C'est très sympa. Donc si vous l'ouvrez dans votre quotidien tous les jours, bah ça sera pas dégueulasse. Et je sais que l'année dernière, c'était le contraire. Donc là, ils se sont améliorés. C'est très bien nivelé. Numéro 13, de l'autre côté, c'est une grande case, mais avec un tout petit truc. Un tout petit truc. C'est un gros truc, hein, mais bon, c'est pas un truc de fou, c'est une petite mousse de douche. Donc ça, moi, ça me servira pas parce qu'elles sont beaucoup trop petites pour mon corps, je trouve. Même s'il y a une bonne prise en main, mais ça sera plus pour ma fille qui va valider totalement ce petit truc-là. Hein, ça va lui servir, donc ça servira. Le 14 est une petite case. Ah, mais à l'intérieur, on a un gros truc qui a du mal à sortir. Ah, petite case, mais grosse boîte à l'intérieur. C'était galère à sortir et c'est un blender. Et ça, je valide. L'année dernière aussi, on a eu un petit blender qui était vraiment pas mal. Ouais, texture vraiment agréable. Ouais, j'aime bien. En plus, la petite couleur comme ça, mauve là, qui va très très bien avec le package. J'aime bien. Ça, je valide encore une fois. Et il y a presque pas de flop là. Vous êtes d'accord? Il n'y a pas de flop. Le 15 est un produit pour hommes. Et ça, je trouve ça cool. Alors moi, ça va servir pour mon mari. Donc Nivea Men. Un 50 ml, c'est un gel douche énergisant à base de mint. Donc c'est pas mal, à base de menthe. Ça oui, ça va servir à chérie. La numéro 16 est un produit encore pour hommes. Donc ils en ont mis deux à la suite, c'est pas terrible. Ils auraient pu les mettre un peu plus loin. Mais bon, un petit Nivea Men comme ça, une petite crème pour le corps, les mains, etc. Pour tout ce qu'on veut. C'est la fameuse crème mythique. Hein. Je sais pas d'ailleurs la différence entre la Men et la version basique très connue. Est-ce qu'il y en a vraiment une? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça servira aussi pour les mains de chérie. Le numéro 17 est un démaquillant, cette fois-ci, démaquillant doux pour les yeux, eau purifiée, yeux sensibles. Ça me plaît bien. Alors c'est vrai que j'en utilise pas des masques parce que moi je suis vraiment à l'huile démaquillante et j'aurais aimé que Nivea nous mette une petite huile démaquillante là-dedans. Ouais, ça sent l'odeur traditionnelle de Nivea. Ouais, j'aurais préféré une petite huile démaquillante, mais bon. Peut-être je vous le mettrai pour vous, hein. Ça sera peut-être pour vous. Je vous ferai une petite routine soin la Nivea, ça va être cool. N'oubliez pas, vous mettez le mot dans votre commentaire. Le mot, on a dit quoi déjà? Bah tiens, j'ai déjà oublié, mais moi je suis vraiment j'en ai un boulet. Je m'en rappelle toujours pas, j'ai la tête dans les pâtés, hein. Je m'en rappelle pas, je vous mettrai ici le mot que je vous ai dit tout à l'heure parce que je m'en rappelle déjà plus. Mais on passe au numéro 18. Le numéro 18 est un petit savon, trop cool. Je vois que ça a un zéro plastique. Alors bon, ça aurait été bien de faire... Bon, on va dire qu'ils ont essayé de jouer le jeu. Zéro plastique, c'est un nettoyant visage solide. Ah bah tiens, ça me plaît. Zéro plastique, zéro déchet, 99% d'origine naturelle, éco-certifié. Ça sent absolument rien, mais c'est bien, ils ont mis dessus Nivea Face. Donc c'est bien d'avoir précisé que c'est pour le visage, pour éviter toute confusion, hein. Donc c'est pas mal, bah écoutez, ça je trouve qu'il y a un bel effort de la part de la marque. Ah bah trop bien, ça complète le numéro 19, complète le numéro 18. Ils ont mis un petit sachet à savon. Du coup ça vous permet de stocker votre savon à l'intérieur, de le suspendre dans votre salle de bain et de savoir que celui-ci c'est pour le visage et d'éviter qu'il traîne sur le rebord du lavabo ou sur le rebord de la douche. C'est très très bien ça, c'est bien réfléchi Nivea, bravo. Le numéro 20, une grande case et à l'intérieur on a un deuxième lave-vélo, mais cette fois-ci c'est un gommage pour les lèvres à base d'aloe vera je pense, non? Ouais c'est ça, vitamine E et aloe vera, un soin gommage scrub. Ça c'est trop bien, alors je savais pas du tout qu'ils faisaient des gommages, donc c'est très très bien. C'est comme un stick hein, à lèvres, sauf qu'à l'intérieur vous avez des petits grains donc d'aloe vera je pense, non? En même temps les grains, il n'y a pas vraiment de grains dans l'aloe vera, mais... En tout cas, c'est à base d'aloe vera. Qu'est-ce que c'est les grains? Il n'y a pas écrit ce que c'est les grains, mais en tout cas, ça c'est cool, ça me donne bien envie. Le numéro 21 est une grande case encore une fois, et on a un deuxième déodorant, donc c'est très bien. 95% d'origine naturelle, c'est la gamme Naturally Good, bio et à l'aloe vera encore une fois. Il y a en revanche de l'alcool à l'intérieur, mais il n'y a pas d'aluminium d'après ce que je vois, donc c'est pas mal. Bon, l'alcool c'est un peu moins bien, mais sans aluminium c'est mieux déjà. Attendez, je vérifie quand même hein, la compo parce que... 100% de transparence sur les ingrédients de ces produits. Sensation de fraîcheur naturelle longue durée. Protection 24 heures, 100% vegan.
Donc c'est pas mal. Il y a donc 95% d'origine naturelle et 5% d'origine non naturelle, mais nécessaire à la stabilité et à la protection de la formule. Comment se justifier? Donc je vois pas dans la composition d'aluminium, donc c'est pas mal du tout. Et l'ingrédient numéro 1 reste de l'eau, d'où sa texture assez liquide. Hein. C'est pas mal ça quand même, je pense que je testerai. Si vous avez testé certains produits d'ailleurs Nivea et que vous aimez ou vous détestez, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Donc 21, on est à 21, donc 22. 22 c'est une petite case. On a une petite boîte. Donc là, sur cette deuxième partie, on est un peu plus sur du naturel. Hein. Ils ont un petit peu fait ça par étapes. C'est-à-dire première, un peu tradis. Au milieu, on a eu des produits hommes. Et maintenant, on a des produits en mode naturel, bonne compo, etc. Donc là, cette fois-ci, c'est un nettoyant. Non, c'est un gommage purifiant. Pareil, dans une boîte 100% zéro plastique, quoi. Naturel, 100% d'origine naturelle. Et c'est un gommage comme ça, tout noir, pas d'odeur particulière, et pareil dessus c'est précisé face, donc très bien pour le visage. Donc là le sachet on l'utilise peut-être pour soit l'un soit l'autre, ou peut-être on peut mettre les deux dedans, mais à vous de voir après dans le sachet. Mais c'est très très bien, ça c'est des produits que je vais utiliser. Le numéro 23, donc c'est une grande case, hop. Et à l'intérieur, on a encore un labello, mais cette fois-ci, c'est une version Cherry. Ça, je pense que je le garderai pas. Je sais que je les aime pas, ceux-là, quand ils ont une couleur, entre guillemets, ou une odeur particulière. C'est Cherry et c'est une version Shine, donc brillante, à base d'huile naturelle. Non, ça, ça sera pour vous. Moi, je garderai pas. Puis ça, ça sert toujours. Hein. Je pense que vous êtes nombreuses à aimer ce genre de produit-là. C'est juste que moi, je sais que je n'aime pas trop ça quand c'est coloré. Parce qu'en fait, des fois, je me fais avoir. J'en mets partout. Quand c'est à moi du labello, ça dépasse. J'aime bien quand ça dépasse de mes lèvres. Et après, en fait, je me rappelle que c'est un coloré et je ressemble à un clown, donc je ne me fais plus avoir, je n'en utilise plus. Et logiquement, nous sommes au numéro 24, donc qui est évidemment la plus grande case aussi. Et le numéro 24, oh la décevance, oh la décevance. Non, là je suis déçue, je suis déçue. Regardez, bon alors certes c'est le produit mythique de chez Nivea, c'est le basique old school de Nivea, mais non, l'année dernière, ils nous avaient mis ça dans le numéro 24 là, hop. Je vous remontre, ils nous avaient mis ça dans le numéro 24 et j'avais fait une super découverte. Et là, ils m'ont mis ça. Bon, certes, je peux redécouvrir hein, ce Nivea basique, mais j'aurais aimé un petit produit un peu plus novateur. Hein. Non, là, je suis déçue. Hein, bon, je sais pas s'il y servira en plus. Je le donnerai peut-être à mon papounet. Mais voilà. Ah non, non, là, vous avez tout gâché. Alors, Nivea, tout gâché. Bref, vous me direz ce que vous en pensez. Sinon, les trois quarts des produits m'ont plu. Vraiment, je le trouve très bien. Encore une fois, le packaging n'est pas tombé en miettes, à part un petit morceau là, mais sinon, il est encore très potable. Donc, je trouve très très bien le packaging, très noélique, très. Enfin, vraiment, j'adore. Je valide le packaging. Je valide les produits, sauf le numéro 24. Vraiment déçu du numéro 24. Hein. Déçu, déçu, déçu. Hein. Mais bon, les trois quarts des produits sont top. Je vous fais un petit package. Je vous renvoie à mes. À ce qu'il y a écrit dans la barre d'infos et le petit mot bonus ici. Et si vous voulez gagner ce petit lot que je vous prépare, je vous concocte avec des produits Nivea, et ben n'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo, à vous abonner évidemment, et puis à me retrouver dans mes prochaines vidéos. Je sais que les fidèles sont toujours là et ça me fait tellement plaisir de lire vos commentaires. Surtout si vous avez des coups de cœur ou des déceptions chez Nivea, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans votre commentaire. Hein, c'est ça qui m'intéresse aussi le plus. Et qu'est-ce que vous avez pensé de ce calendrier? Allez, je vous embrasse fort, je vous dis à très très vite, salut!